Il m'avait dit qu'on irait chasser. Pourquoi il est pas là? Où est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce qu'il fabrique? On dirait qu'il attend. J'y comprends rien. Aloy, tu es là. Tu veux que je te laisse? Non. Je dois te parler. J'ai réfléchi à ton entraînement, Aloy. Je t'ai appris à chasser, à survivre. Mais il y a quelque chose que j'ai omis de t'enseigner. Veux-tu l'apprendre? Bien sûr. Tout ce que tu m'enseignes est important. Il y a eu des incidents. C'est l'occasion idéale pour cette dernière leçon, mais ce sera dangereux. Il faut que tu sois préparé. Ou tu mourras. Va chasser dans l'étreinte et récupère les pièces nécessaires à des flèches de feu. Des flèches de feu? Mais de quel genre d'incident on parle? Quand tu auras tout trouvé, retrouve-moi là-bas. La porte près du village du cœur de la mer. La porte nord? À la frontière de l'étreinte? Oui, c'est ça. Allez, allez, ne traîne pas. Y a autre chose qui te tracasse? Non, tout va bien. Il y a autre chose que tu veux que je fasse dans l'étreinte? Oh. Greta la Félie ne doit plus avoir à manger. Tu pourrais lui chasser un peu de viande, si tu as le temps. Ce qui serait bien, c'est qu'elle dise merci pour une fois. Oh, Greta suit le règlement. Son silence envers nous est normal, ne le prends pas mal. Puisque tu le dis. Tu t'inquiètes de ce qui va se passer après l'éclosion? Je sais ce qui va se passer. Tu seras accepté comme membre de la tribu et je resterai un paria, un invisible. Rost, même si la tribu m'accepte, je... Nous avons du travail, Aloy. Nous parlerons de ça plus tard. D'accord. Je vais chercher les pièces, mais j'en profiterai pour dire bonjour à Karst. Aloy, cet homme enfreint le règlement à chaque fois qu'il te parle. Et je l'en remercie. J'aurais besoin d'acheter un lance-câble et c'est le seul à traiter avec les parias. Fais-le plein de munitions alors. Cette arme te sera utile ce soir. C'est assez inquiétant. Très bien. On se voit à la porte nord. Il y a quelque chose qui le tracasse. S'il croit que je vais l'abandonner, il se trompe.